Et salut! On se trouve sur, sur Sport. Petit Sport Creatures. Creatures? Créatures. Je sais pas comment on pourrait dire, bref. Mais oui, c'est un jeu que j'aime bien. Bon, pour la dernière vidéo, c'était un peu dégueulasse au niveau du son, puisque j'étais obligé de parler bas. Mais bon, ça devrait aller mieux. Bref. Du coup, on recommence. Donc profil 1-3, donc habit bip, voilà, enfin c'est y a une. J'avais même pas qu'ils avaient rajouté une censure pour les termes insultants ou même racistes. Enfin genre je sais ce qui a fait le machin, c'est le beurre, hein. Mais genre enfin merde, c'est mon pseudo, c'est pas Abi Beurre parce que c'est une insulte, non. Donc on va rester Abby, voilà, ça reste Abby, je sais pas. Abby insulte, voilà. Bon, on va continuer quand même. Alors, j'en étais où moi déjà? Ah oui, j'en étais là. Avec mon petit monstre, bon allez, on va revenir. J'étais sur Freeze. Salut petit Moupou. Alors, nouvel objectif atteint. Ce pauvre petit Moupou a été séparé de ses amis. Pas d'inquiétude, je retrouverai les autres. Et mon super nouveau bras m'aidera bien dans ma mission. Dans ma mission. Ah! Hop. Nouvel objectif. Trouver les amis du Moupou. D'accord, je vais trouver les amis du Moupou si la caméra veut bien. Ah oui, c'est vrai, c'est L et R. J'ai oublié c'est quoi déjà à lire. Ah oui c'est ça, c'est F et E. Non, c'est pas E. Ah oui c'est voilà, c'est F et W, ouais. Bref. Putain, je vois pas où je suis. Mais je vais où là? La caméra. Ah, j'adore ce jeu mais la caméra elle est pathétique. Hein. Alors. Bonsoir. J'ai retrouvé un Emoubou, il sera ravi d'apprendre que son ami l'attend tout près d'ici. Petit Moupou. Ah bah tiens. Bouche Moupou, un meilleur métabolisme vous donne davantage d'énergie quand vous mangez. Bah très bien. C'est quoi les trucs là-bas? C'est les... Nouvelle espèce trouvée, alors... Les Kimpoko. Considérés par Moupou et Soupoupi comme les gardiens de la grotte menant à Noodlin, ces créatures préfèrent vivre paisiblement sur l'île de Trunkle, ou de Trunkle, voilà. De Noodlin et Trunkle, Trunkle. Ils adorent faire la course entre eux, ah, ok. Alors, les Moupous sont des créatures charmantes et simples. Les mâles répondent au son de Monsieur Moupou, même s'ils n'ont aucun sens de l'hospitalité. Monsieur Moupou. Hop. Ouais. Bah du coup oui. Attends, on va se faire des amis quand même. Oh, il veut des câlins. C'est... Allez. Je préfère quand ils volent des câlins parce que les dents ça peut vite devenir chiant. Surtout avec la souris en fait. Allez, deviens mon ami. Deviens mon ami. Oh merde. Ouais. Mais non, mais...
Faut être concentré pour les danses. Mais vas-y là! Voilà! Et viens avec moi, mon poteau. Patte arrière sous poupie. C'est génial. Alors. Faire ami. Ça prend un peu de temps pour faire ami avec tout le monde. Hein. Merde. Mais c'est bon, je me suis fait tromper là. Pas chier. Sois ami. Soyons potes. Ça va, là j'ai un bonus ami donc ça devrait bien se passer. C'est plus dur à la souris quand même. Hein. Ouais, je m'envole. Putain, j'ai l'impression de m'envoler. Ah. T'abuses! Voilà! Est-ce que je peux aller dans l'eau en fait? Non, oui, ça va. Hop! Bouche à doigts! Bien, très bien! Oeil chadoua. Et c'est qui court comme ça là? Mais ah! Qu'est-ce que c'est que cette connerie là-bas? Rocky, création de Gripscott, très bien. Wahoo! C'est qu'il est rapide ce moupou! Il faudrait que je le rattrape et que je lui dise que son ami l'attend! Yes! Allez! Pas de moupou atténué, il bloque l'avantage des attaques ennemies. Ouais. Affronter le Kimpoko à la course, trouver. Oui, bon, bah déjà on va. Ah! Les sous-poupies. Vilaine bestiole, allez, viens par là. Viens! Vous disposez d'un biopouvoir. Utilisez vos biopouvoirs combat en touchant les icônes situées en haut de l'écran tactile. Chaque utilisation d'un biopouvoir coûte de l'énergie. Sachez les utiliser au bon moment. Qu'est-ce que vous pouvez meilleur à la rapidité, ouais, ouais. Manger un peu de. Mangeant des fleurs, je gagne de l'énergie! Bah, mange! C'est bon. Alors. Mange les fleurs. Oh mon dieu! Oh ce ro! Il était. Bon, j'attends que je me recharge et après. Je vais lui péter la gueule! À l'attaque! D'ailleurs, en attendant, je vais aller. Hop, sporopédie. Donc, le guide des espèces. Alors.
On mange une nouvelle espèce qui s'est rajoutée, du coup. Les sous-poupies. Les sous-poupies sont par nature très agressifs et attachés à leur territoire. Une fois qu'ils ont élu domicile, ils ne peuvent être chassés que par la force ou l'intimidation. C'est des belles petites salopes. Comme on dit dans le milieu. On dit chez les Jones. Alors, je crois que je peux vous faire des fruits, donc... Il y a des bananes là. Ouais. Oh non! Je crois bien que le moupou était piégé par le sous-poupi. Je n'ai pas le choix, je dois m'occuper du sous-poupi pour sauver le moupou. D'abord, je vais bouffer quelques bananes. Qui ont disparu. Je sais comment on fait pour avoir des fruits. T'inquiète pas. Il va retrouver sa force d'antan en l'espace d'un instant. Et voilà. Quelle bonne banane. Oh, des bons fruits. C'était bon, bref. Non mais plus sérieusement, ouais, ce jeu il est bien quand même. Attends, il faut péter les rochers, je crois. F. Oui. Oh, que chadoua. C'est bien ça. Alors attendez. Il y a un caillou par là. Essayez de péter les rochers aussi. Il y a parfois des trucs bien dedans. Ouais! J'ai trouvé deux icônes de planète sur le disque qui se trouvent sur Tapti! Je crois qu'il y en a un autre proche. De cailloux. Je crois, attendez. Oui, j'irai lui parler après. Pour le moment, je... y a pas d'autre rocher. La caméra dans le jeu est une science. Attends, vas-y. Bon bah apparemment. Allez. Pada! J'aimerais bien voir la bouche de l'autre. Enfin de... Voilà, attends déjà. Mes moupous sont fait sentir partie des amis de 4 moupous. Heureusement, le sous-pipi n'est pas blessé. Je crois que tous les amis moupous que mon cœur m'aura cherché sont réunis. Vaut mieux que j'aille m'en assurer. Alors... D'abord, avant ça, on va tester le défi. Ce Kimpoko a envie de faire la course. Suivez les symboles lumineux de couleur jaune. Le point d'arrivée sera le faisceau rouge. Attendez, on va vite. Ouais, mais saloperie. Mais il est 10 fois trop rapide, bordel. Oui, non, mais je crois que c'est mort, hein. Mais je me fais complètement niquer.
Ni. Mais quoi, objectif manqué, ta mère? Oui, non mais. Hop. Nouvel objectif. Oui, il va affronter qui me voit pas la course. Bon, allez, on va se refaire un peu une beauté. Alors, normalement j'ai plusieurs corps, donc j'ai le corps Moupou. Allez, on va prendre celui-là. Oh merde. Ensuite, donc les yeux. Ils sont horribles. Hop. Ensuite, bref, ensuite, bah, les bras moufous du coup. En pâte, il y a que, bah, j'aurais bien vu avoir la queue sous poupie, mais il faut masse de points, machin. En attendant, voilà, on va mettre la queue sous chasse et on va voir à quelle vitesse je me déplace. Wow, c'est bon, je vais à la vitesse d'un éclair. Allez, toc, 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 toc. Voilà, là, je me laisserai pas avoir. Désolé mon poteau, mais... Mets ta gueule. Allez! Je l'ai niqué. En vrai, est-ce que je peux pas juste le bouffer? Voilà. J'ai aussi niqué mes amis, tiens. C'est comme ça que la mafia fonctionne. Je suis méchant, mais bon, hein. Dans ce jeu, faut vraiment être méchant. Putain, mais... J'ai annihilé tout le monde, bon bref. Donc j'ai pas obtenu de nouveaux éléments, je suis un peu déçu, mais bon.
Ah, je suis surtout en fait, j'ai toujours pas eu la bouche de poupie qui a envie de cracher du feu. Parce que ça fait assez mal. Hop. Et ça c'est beau. Ça c'est la science. Science. Alors, comment ça va être temps que je recorde 20 minutes. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi? Quoi, il manque toujours un moupou? Je pense qu'il se trouve sur le site de l'accident. Bien, je vais aller voir. Et trouve un badge! Appuyez sur Start pour accéder à la sporopédie où je peux accéder au menu badge. En combinant les badges, je gagne des points de badge pour acheter des éléments ou des astuces. Je vais voir ça de plus près, donc. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Objectif. Ouais, le bon élève, superbe. Bon, je m'en bats les couilles. Alors, au revoir. Alors, le site de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, le film d'action. Waouh! Surgit des débris comme ça, des débris, c'est trop injuste! En tout cas, cette créature n'a pas l'air contente. Qui plus est, elle semble avoir un petit problème. Proviendrait-elle de la soucoupe? Batte le soucoupe qui bleu. Allez! Je vais te niquer! Voilà! Ah, j'ai eu la bouche choupoupie, yes! Normal que le dernier Whoopi resterait dans la grotte pour l'éviter. Choupoupie, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Hop, le bras chadoua et. Petit Googie n'est pas là, il est sûrement sur cette soucoupe endommagée. La soucoupe a sûrement perdu une des pièces lors de l'accident. En ramassant les morceaux de la soucoupe, je montrerai le chemin qui mène à mon frère! Ah, c'est son frère! Putain, j'ai toujours pas compris ça. Bon, alors qu'est-ce que tu veux, toi? Eh bien, dès qu'il a vu la pièce de soucoupe que j'ai trouvée, le Mewpoo a compris que je devais y aller seul. Bon, cher Tuel, on va voir où tu m'emmènes. J'espère que tu me rapprocherais de petits Googie. Ah, les yeux Mewpoo. Nageoire Mewpoo. Allez, on va voir la danse. Merde. Ouais, copain Mewpoo. Hop. Les petits câlins. Papa. Oh, j'ai plus beaucoup de vie, hein, j'entends des fruits tomber partout. Putain, ça remonte ma vie, mais instant quoi. Allez. Faire plein d'amis et après on va tous se les faire. Ah, 5.
Ouh. Il me reste plus que lui à me faire ami, après on va se les faire. Maintenant, c'est parti pour le carnage. Ah mais j'ai déjà les pattes moupou, mais en fait j'ai tout du moupou, attendez. Peut-être que ce petit moupou n'était pas nécessairement à tuer. Merde. Putain mais je suis vraiment levé la pire des brutes. Bon attends, je vais revenir à la tête au terrier. On va se refaire un peu. Alors, petit corps de moupou. Non, il est trop petit. Qu'est-ce qui serait bon? Bah, en vrai, je vais garder les yeux et après, je vais voir si ça. Hop, la petite bouche. Yes. Ah mince, j'ai pas lu. Bref, en gros, c'est, ça permet de cracher des flammes. C'est à ça que ça sert. Bref, alors ensuite. Les bras shadow, ouais. Et la queue, bah. Je peux toujours pas mettre celle-là, mais c'est n'importe quoi. Oh, on peut mettre elle. Parce que c'est la seule qui permet de regagner mon énergie, mais le problème c'est que ça, genre, je peux pas encore la mettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dégueulasse. Allez, mon petit habit. Salut! Alors, du coup, je vais revenir à l'endroit où j'étais. Et merde. Et on va commencer le nouveau chapitre. Bon bah désolé mon petit moupou hein. Ton sacrifice n'était certainement pas nécessaire. Mais par contre je t'ai tué. Je t'ai quand même tué. Allez, on commence. Oui, sauvegarder la partie. C'est important. Deviens sauvegarder. Progression sauvegardée, yes! Point. Point, point, point. Bienvenue sur Noudlin! Ou Noudlin! Non, Noudlin. On dirait que j'ai raté la soucoupe qui est passée par là. Pas impossible qu'elle ait largué une autre pièce de soucoupe dans les environs. Je veux la banane. Mais. Oh bah non! Oui! Et il a mangé la banane. Les bouchichis sont sans cesse attaqués par les brutes. Si je peux leur prouver que je suis un ennemi et non une brute, peut-être me diront-ils où a atterri la pièce de la soucoupe. Battre Boulob. Sympathiser avec les bouchichis. Boulob, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Boulob. Je vais te niquer ta mère, Boulob.
Boulob! Alors, les Weepli. Timide, assuré, agressif, les Weepli se battent pour empêcher les autres créatures de fouler leur territoire. Viens, on fait ami-ami. Putain, les bugs de son, putain. Ils étaient aussi présents dans la version DS, hein. Mais oh là là, mes fils de pute. Maintenant que le danger est éloigné, les Bushishi ont quitté leur cachette. Il ne reste plus qu'à faire ami avec le Nibushishi. Attendez. On va essayer déjà. Hop. Voilà, non, ça devrait être bon. Non, merde. Pas les Bushishi par là. Alors. Ah oui, il y a des trucs là, il faut creuser. Je trouve mon premier pack d'intelligence. Ouais. Je suis intelligent. Allez, mange à moi. Ah. Non, je vais juste revenir au nid. Hop. Voilà. C'est bon, là j'ai tout. Shadow. Voilà. Fais une crête. Hein. Bref. Faire ami-ami avec les Bushishi. Ah, les bugs de son. Un véritable. Pour faire ami-ami avec un mini, j'ai de danser ou faire des câlins avec tous ses membres. Je serai ainsi capable de me changer dans ce lit. Nouvel espace trouvé. Wouh! Alors, les Bushishi font preuve d'une grande timidité. Ils pensent en toutes circonstances qu'ils ne sont jamais à la hauteur dans son environnement. Putain. Oh merde. Et les Bushishi qui ont des problèmes de confiance en eux. Ouais. Oula, c'est dur, hein. Les bugs de son. Tu fais quoi, toi? Les Bushishi sont de bons lanceurs, c'est comme ceux-là qui font tomber les fruits des arbres. Ok, j'ai bien l'impression avec mes qualités de lanceur, je vais toucher les 4 arbres. Hop. Blam. Bam.
ça a marché! Le Bouchichi est tellement impressionné qu'il veut montrer ce qu'il a trouvé. Je suis un génie. Yes! Nageoire jonglo. Bah merci mon pote. Tu veux devenir mon ami? Corps jonglo. Ah, il y a un truc là. Et ah, ça va venir devenir relou ça. Yes. Et toi, tu veux devenir mon... Est-ce que tu veux me câliner ou juste... Non, apparemment il veut pas câliner. Tain, les bugs de son ça rentre. Yes. Bouche pli, oui. Attends. Ça c'est plus dur. Les bougies n'ont pas la pièce de la soucoupe, ils ont un cadeau pour leur nouvel ami. La pièce de soucoupe se trouve de l'autre côté du pont, je vais aller au prochain endroit. Cor, oh yo yo. Il est moignon. Alors... Oh non, une énorme vague a recouvert les buissons des bouchers avec du sable. En creusant, je peux les aider à retrouver les buissons. Les buissons. Les buissons enfouis. Les buissons enfuis. toi. Attends d'abord. Hop, je vais gagner un niveau. Ouais, je suis niveau 9. Hop. Je sais plus combien il en faut, mais... Ah, je vais les faire tous, hein. Ah, j'ai trouvé 3 icônes de planète sur les 10 qui se trouvent sur Tapti. Hop, de l'XP. Ah, ah non, ouais, rien. Hop, pato yo yo yo. Merci mon poteau. Les bougies sont trop fiers de leur allure, les créatures de Noudlin aiment leur environnement plein de végétaux épanouis. Alors, parce que je vais arrêter là, mais avant, on va d'abord faire un petit truc.
savoir me repoudrer. Hop. La marche épineuse. La créature a marché sur des sols épineux sans subir de dommages. Cette attitude protectrice se déclenche automatiquement quand il faut, mais son utilisation consomme de l'énergie. Alors. Voilà. Pac-Man. Oui, du coup, bah, je vais remettre la bouche de mon poing en attendant. Là, mais j'ai surtout me remettre les couleurs, genre du. Enfin. Voilà. Couleur de mon avatar. Regardez ça. Hop. Abby. Bon, du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. J'espère, bah, en tout cas, que ça vous a plu. Et on va se dire au revoir. Donc, salut!